On va tout dire aujourd'hui là. Moi, je suis ta cousine, c'est pas que tu ne me connais pas. Le caleçon de Guéguer là, alors. Son caleçon que tu as envoyé au village là. Maëli. Son caleçon que tu as envoyé au village pour qu'on le basse là. Ça est là. Ils n'ont pas passé, hein. C'est à cause de ça, c'est gâté. Toi, tu n'as envoyé rien aux parents. Un médicament contre un enfant. Ah, bah c'est Guéguer. Tu crois que nous, on n'a rien à faire? On passe pas Guéguer ici. Sa maman vend tabac. Il les envoie l'argent pour qu'elle va au marché pour vendre quelque chose de bon. C'est un chocoton de Guéguer. Tu envoies en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas honte? On fait quoi avec Guéguer au Béga? Regarde ça. Un chocoton rouge. Guéguer, il a perdu un caleçon rouge. Dites-lui ça. Il connaît. Rouge, et puis, il y a plein ici. Il y a plein ici, ça me fait rire même. Je suis dépassé. Caleçon de Guéguer, on va passer. Et puis, ma délai, Guéguer, on va passer. C'est ça que tu envoies au village, tes parents n'ont qu'à passer pour que Guéguer reste avec toi. Ça, tu sois d'empoisonnement là. Il n'a pas menti, hein. C'est vrai. Le jeune n'a pas menti, hein. C'est une histoire vraie. Moi, je suis sa cousine. Flo, c'est sa cousine. Flo, c'est la cousine de Mariliba. Ils viennent du même village, la tante de... Ah, mais maman, tu as vu qu'elle est... Ah, mais... Tiens, vois, c'est un caleçon chocotant du jeune pour le basser. Elle est de régler ce genre de problème. C'est du basser, de cachener, tu veux parler sur les réseaux sociaux. Un moment. Une menteuse comme ça, une vieille femme. Tu as fait un médicament jusqu'à pour plaire aux gens aujourd'hui là, t'es devenu quoi? Et puis tu étais artiste, tu as fait un médicament pour plaire aux gens jusqu'à aujourd'hui là, t'es devenu quoi? Tu as fait un médicament, les gens t'ont financé là, t'es devenu quoi? Jamais rien. Elle est devenue obèse. C'est pour aller attraper Cannes en Europe. Le flasé. Hmm? Ton chocoton, le chocoton de Guéguer t'a envoyé au village là. Ça est là. Demain, on va aller chercher Aïe Vlamou, Aïe Motodou. On va prendre Motodou. Attends, tu vas attaquer Gouza. Gouza est 10 000 fois mieux que toi. Gouza, c'est une femme. Marie, qu'elle ne vient pas de Bangolo, mais elle est prête pour les femmes de Bangolo. Une femme qui envoie 2 millions pour qu'on achète un terrain, un îlot. De 10 lots pour que les femmes de Bangolo plantent le manioc. On a quitté, vraiment on a quitté. On va planter le manioc là, tu vas voir. Gouza, c'est du concret, n'est pas votre camarade. Hein? Les Edo, la Koul, les Thierry Jouel, les Maëliba, les Guéguer, là, c'est pas vraiment. Marie Kossa et consort. Les Marie Kossa et consort là. Les femmes bizarres. Et puis c'est la vieillerie seulement. Regarde-moi, les filles. Toi, elle était un joueur qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Rien, t'as dit rien, zéro. Zéro, inutile, nul. Donc, ouais, Didier, même, il a lutté, mais c'est Dieu qui l'a pas voulu. Mais quand même, rien. C'est juste, vous, aujourd'hui, vous venez manipuler la population de l'Ouest. C'est ça, vous appelez aimer les parents. Vous n'aimez pas les parents? Vous voulez nous voir dans la souffrance? Mais on est fatigué de cette souffrance, on veut évoluer aussi, on veut développer comme les autres régions. Et puis elle signale le direct. Les gens signalent. Tu n'as pas honte, tu envoies tes petits microbes là pour signaler notre direct. Tu n'as pas honte. Et d'abord tu nous bloques. Si t'as pas sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas.